La Wallonie continue de s'embellir. Un nouveau village vient de s'ajouter aux 22 autres, reconnus parmi les plus beaux. Examen de passage réussi pour le petit dernier. Sauzois est un village de caractère, un village à caractère rural, qui contient des richesses patrimoniales et environnementales importantes, telles que l'église de Sauzois qui est classée. Autrefois, la vie s'organisait autour de l'église. Cet intérieur lumineux invite à la paix et à la sérénité. Ainsi que la pelouse calcaire de Ranzinelle, qui est une pelouse de type méditerranéen. Cette pelouse calcaire renferme notamment une faune et une flore exceptionnelles et une biodiversité très très conséquente. La reconnaissance des richesses patrimoniales et paysagères de leur village n'a pas trop étonné les habitants, ils n'en sont pas moins fiers. On était persuadés déjà depuis assez longtemps qu'on avait la chance de vivre dans un beau village. Maintenant qu'il soit reconnu aux yeux d'autres personnes, mais ça fait plaisir. Ce qui est assez particulier ici dans le village de Sauzois, c'est qu'on a un peu une association de choses assez différentes. Donc vous avez la colline que vous avez pu voir ici en entrant dans le village. On a la Molinier qui traverse ce village. Puis on a tout ce bâti assez groupé, donc d'habitations qui tournent ici autour de l'église, des maisons rurales. En pierre calcaire, en ardoise, ardoise naturelle et puis ardoise artificielle. Et des bâtiments assez importants, assez prestigieux, comme la Grange à la Dîme, qui a un toit de tuiles très rouge. Et puis aussi le chemin de fer. Donc le chemin de fer qui traverse notre village de part en part et qui maintenant est exploité pour les drésines au plaisir de nombreux touristes. Retournons vers Florence Van Oosbroek. Qu'en est-il du gîte et du couvert ? L'offre en matière d'hébergement est assez conséquente sur l'entité d'Anhé puisque nous disposons de 1100 possibilités de lits et de logements. Il y a 4 gîtes et hébergements, plus particulièrement sur le village de Sauzois. Il y a un restaurant, pour ne pas citer, qui s'appelle Les Montagnards et donc qui propose vraiment des produits de terroir faits maison. Les Montagnards, c'est ainsi que l'on nomme les habitants de Sauzois, ont su conserver les traditions architecturales rurales des siècles passés. Des solides petites maisons en pierre suivent différentes orientations et ferment des rues sinueuses, ce qui rend la découverte du village très agréable. Il y a 690 km de balisage, aussi bien des circuits cyclotouristes que vététistes, ou encore des circuits de randonneurs. Donc c'est autour d'un noyau, en tout cas de 9 villages sur l'entité, qui sont tous des villages de caractère rural. À proximité de Montaigle, de Falahin, autre beau village, et de Maretsou, Sauzois offre une multitude de possibilités. Si vous longez la Molinier, vous constaterez aisément qu'elle peut être source de joie. Vive le touriste à la télévision. Allez, hein. Ça c'est quand même magnifique. Le touriste à la télévision, c'est pour acheter. Hein. Mais ça...